Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity. Et on reprend la dernière fois dans ce workflow. Vous pouvez encore une nouvelle fois m'excuser des deux épisodes précédents. Enfin, même des 4 épisodes précédents. Parce que les épisodes 4 et 5, mon micro qui m'a lâché durant l'enregistrement, on l'a déjà précisé. Dans les vidéos précédentes. Et je me suis rendu compte après que les deux vidéos d'avant, j'ai à des moments mon micro a un peu de mal à enregistrer ma voix. Bon. J'ai réglé tout ça, je m'en excuse. C'est le souci quand on va changer rapidement de micro et qu'on va vite filmer. On n'a pas le temps de faire tous les réglages qu'on voulait. Mais entre temps, j'ai tout corrigé, donc normalement ça devrait être bon. Et je m'en excuse encore de tout ce dérangement que ça a pu occasionner. J'espère que vous m'excuserez pour ça. Donc, petit rappel des vidéos précédentes, nous avons vengé Monsieur de la Serre. Et nous avons été téléportés dans une sorte de faille temporelle. Nous étions dans une autre époque. Et nous avons maintenant une nouvelle quête secondaire, on peut aller dans ces failles. Belle époque entraînement, il peut donner des rues de Paris de la fin de l'année. Et découvrons ensemble qu'est-ce que c'est exactement que ces missions. Bon, je pense que vous avez déjà une petite idée de ce qui nous attend. Enfin, si vous avez bien fait attention à l'épisode précédent. Pour les autres, ça sera une surprise si vous n'avez pas vu l'épisode précédent. Content de te voir. Il faudrait que tu libères notre agent et que tu rejoignes le portail de sortie. Sa mission était de recueillir des données de l'Elix. Alors essaie d'en récupérer le plus possible. Voilà le type de données que nous recherchons. Bien. Nos techniciens vont tout de suite lancer l'analyse. Ces données sont cryptées. Tu vas devoir rester à proximité le temps que je puisse y accéder. Ok, je commence à déchiffrer. C'est terminé. Très bien. Il me faut plus de données pour prouver notre agent. On voit, c'est globalement simple. Hein. Il y a énormément de paquets de données. À droite. Merde. Le voilà. Il faut que tu le fasses sortir de là. Moi je m'en fiche un peu du bonus, clairement. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours tenter de récupérer le bonus. Parce que j'ai jamais cherché le parcours le plus optimisé, je vais pas vous mentir. J'aurais pas le temps, à mon avis, de les avoir. Quoique. Tant pis. Tu es libre, bien joué. Tu n'as plus beaucoup de temps. Essaie de récupérer le plus d'infos possible avant de partir. Cette zone devient instable. La simulation commence à s'effondrer. Sors de là, vite. Voilà. Et j'ai eu finalement mon bonus, je pense. Mais il y a d'autres assassins à secourir et d'autres données à récupérer. Non. Jouer la faille suivante. Le tour est. Je sais plus si faut faire W ou V, je m'excuse,
Y a un trou de mémoire, ça arrive. Bon, c'est pas compl... c'est ça, assez sympa, mais bon, honnêtement, au bout d'un moment, c'est répétitif et... L'idée est bien. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que ça met plus de diversité de missions. Ce qui est dommage, c'est que ça casse l'ambiance du jeu. Pour moi, je pense que Assassin's Creed doit rester dans une seule époque et se... quitte à qu'il y ait quelques allusions à d'autres époques, c'est pas dérangeant. Mais surtout de rester dans une seule époque, sinon ça casse un peu l'ambiance. Après, c'est un avis personnel, bien évidemment. Oh allez, on y continue, on va tous faire à faille de Helix, soyons fous. Oh, honnêtement, j'ai fait que la première, mais bon, c'est pas grave, on va improviser, comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Vu le nombre de jeux de stratégie que j'ai déjà pu filmer, je suis obligé de parfois d'improviser. Bon, bah, il faut savoir de manière générale qu'Helix, les missions sont différentes, c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours récolter les données, pas... parfois c'est récupérer certains dossiers. Je vous laisserai vous présenter ça, je vous laisserai regarder. Tu dois recueillir un maximum de données, mais prends aussi le temps de retrouver l'assassin. Une autre pièce du puzzle, très bien. Et éloignez-vous surtout de la tornade. Même, j'ai même pas besoin d'avoir fait ça avant pour qu'on s'en... Voilà. Ça devrait nous être utile. Je vais juste voir ce que ça faisait en fait. En fait, c'est fait exprès, je pense. Parfait. Elles contiennent peut-être des secrets importants. Ouais, je suis vraiment dans le mauvais parcours, ouais. Excuse. Ces données étaient stockées au cœur même des. Bien joué. Plus on recueillera de données, mieux ce sera. Oups. Et quand vous récupérez un assassin, vous avez un gros bonus de données. Tu l'as trouvé. Vite, le ton joue contre toi. Ça y est, il est dans ce niveau. Bravo, ces données étaient stockées au cœur même des... Ça devrait nous être utile. Que je trouve un endroit où monter en fait. Une attention rapide. Ah bah voilà. Ouais, mais je suis vraiment gauche. Et je passe à côté vraiment de tout. Descends. Plus de 10 secondes. 5 secondes. 3. Alors on va s'arrêter. Mais il y a d'autres assassins à secourir et d'autres données à récupérer. Ouais, j'ai sauvé qu'un assassin, c'est pas ce que je pensais. En fait, il faut chaque palier réussi à franchir, vous récupérez un assassin. Bon, on a dit qu'il doit avoir un parcours prédéterminé qu'il faut faire. On compte tous sur toi pour sauver notre agent. On va retenter une fois. Quelque part dans cette simulation. Et bon, oui.
le parcours et moi, ça n'a jamais été vraiment trop fort. Je l'ai reçu. Ces données étaient stockées au cœur même des bus. Là, ça doit être 500, assez de données pour trouver notre agent. Joli travail. J'ai vu quelque chose. Voilà. Ces données sont classées. Dépêche-toi, tu n'as presque plus de temps. Bon, intéressant. Voilà. Bravo, tu as réussi. Personne, ça rapporte des données. Bien, nos techniciens vont tout de suite lancer l'analyse. Ah non, il y en avait qu'un à récupérer, d'accord. Que 10 secondes. J'ai rien dit en fait, il n'y en a qu'un récupéré, moi qui crois qu'il y en a plusieurs. Là, on 5 secondes. 3, 2, très bien, mais il y a d'autres assassins à secourir et d'autres données à récupérer. Bon, je viens de comprendre, en fait, il y en a 3 par fois, il y en a les 3 dans la fight, donc on va faire ça 3 fois. Bon, c'est répétitif, je vais pas le nier, hein. C'est vraiment dommage par contre pour ça. C'est. On pensait avoir perdu cet assassin, mais sa vie est entre. Les emplacements de données sont exactement les mêmes, ils auraient peut-être pu. Ces données sont très utiles. On a peut-être pu te rendre ça à toi. Waouh, voilà qui devrait ravir nos chercheurs. Bah hop. Attends. Ces données sont chiffrées. On va pas, je ne me suis pas attardé sur le décor, mais il y a la tour Eiffel. En fait. Dommage. Ah, j'ai un tout la tour Eiffel, c'était le monument plus grand au monde. Bravo, ces données étaient stockées au cœur même des. Bon après ou t'avantages aussi si vous aimez le parcours tout ça vous pouvez vous faire rapidement beaucoup d'argent. Je pense que pour faire de l'argent vous avez meilleur temps de faire des actions d'autorité publique. J'envoie ces données au labo. Enfin, avis personnel. On a triangulé la position de l'assassin.
voilà l'agent. Sors de là. L'agent a été exfiltré. Hop, comme hop, ça. Hop. Je crois que c'est le même parcours. Ouais. La simulation va bientôt s'autodétruire. Dépêche-toi. On meurt parcours. Très bien. Mais il y a d'autres assassins à secourir et d'autres données à récupérer. Bon, ouais, elle était pas si dure que ça, on va faire la phase suivante. Ça a été un petit épisode, là, détente, un peu de parcours. On sait bien que je déteste ce parcours, mais bon. Tu n'as pas beaucoup de temps. Libère l'assassin et récupère les données qu'il a trouvées. Bravo, on a toujours besoin de nouvelles données. Ces mots, c'est exactement mon environnement sans les tornades. Waouh, voilà qui devrait ravir nos chercheurs. Oh là, je vais faire un boulet. Pour moi, c'est exactement mon environnement. Une seconde, ces données-là sont chiffrées. Qu'est-ce que... Données reçues. Ah d'accord. Bravo, ces données d'accord, étaient stockées non, au cœur même d'Elix. C'est exactement le même problème qu'avec la Statue de Liberté. Envoie ces données au labo. Ça va pas être malade. Trois jaouts déjà ennuyantes, alors ça, les gars, j'ai encore moins apprécié. Voilà. J'ai réussi à trianguler la position de notre agent. Parfait. Elles contiennent peut-être des secrets importants. Espérons qu'elle contienne des infos précieuses. Il est là, tu dois le sauver. L'agent a été exfiltré. C'était pas dur. Par contre, ce qui est dérangeant, j'ai appris qu'il y a certaines applications qui marchent uniquement qu'avec votre téléphone. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mince. Bravo, ces données étaient stockées au cœur même des... Bien, nos techniciens vont tout de suite lancer l'analyse. Voilà. Grâce à toi, notre agent est sain et sauf. Merci. Wow. D'accord, bon. On continue, c'est notre... C'est répétitif, je sais, je m'en excuse. Bon, une fois qu'on a vu le premier, on a tout vu quasiment. On pensait avoir perdu cet assassin, mais sa vie est entre tes mains maintenant. Trouve-le. Continue comme ça. Ces données sont cryptées. Attends. Parfait. Elles contiennent peut-être des secrets importants. Mais c'est que je... Bravo, on a toujours besoin de nouvelles données. Je dis pas mal. On se souvient qu'il y a de plus en plus de temps.
En fait, dès que vous tuez un garde, vous gâchez un paquet de données, donc essayez de les assassiner, je pense. Prioritaire. Enfin, prioritaire. C'est le positif. J'ai réussi à triangler la position de notre agent. D'essence. Merci. Agent localisé. Ça y est, il est en sécurité. J'envoie ces données au labo. Voilà, ça c'est fait. Le ton joue contre toi. Je crois qu'il y a plus d'assassinat. Et là, ça me met le coup d'un coup. Attends. Parfait. Elles contiennent peut-être des secrets importants. Données reçues. Voilà. Donc, le parcours était pas si mauvais, là, je pense. Je pense qu'il était mieux que le dernier coup. Mais il y a d'autres assassins à secourir et d'autres données à récupérer. Oui, il y en a encore un, oui. Allez, on récupère le troisième. Vu qu'à chaque fois on sauve un assassin, à chaque fois on a un dossier, ça permettra plus tard que je fasse une vidéo où vous avez tous les dossiers sur ce projet-là. Plus tu recueilleras de données, meilleure sera ta récompense. Mais trouver l'assassin est plus important. Bon, bonne nouvelle, j'ai été mauvaise langue. Le décor change, la preuve ici avec un pack de données 50 à cet endroit, finalement ça a changé, c'est... J'ai parlé trop vite. Non mais c'est vraiment un bon point ça par contre. Il y a certains points qui restent, mais tous les gros packs de données changent d'emplacement, donc ça a l'air... Enfin... Certains des gros packs de données changent d'emplacement plutôt. Attends une seconde, je dois les déchiffrer. Espérons qu'elles contiennent des infos précieuses. Et ça par contre c'est un très très bon point. Waouh, voilà qui devrait ravir nos chercheurs. Hop. Mais je pense qu'il y a 5 niveaux de difficulté, on était déjà au niveau 3 dans celle d'avant. Bah, même pas de 15 à 5. Les missions peuvent pas aller au-dessus de 5 de niveau de difficulté, à moins qu'ils aient prévu une surprise. Si c'est le cas, ça serait intéressant. Bravo, on a toujours besoin de nouvelles données. J'ai réussi à trianguler la position de notre agent. Okay, les oreilles ne m'ont jamais trahi. Et donner à moi. Voilà, bon. Argent, j'ai dû gagner 600 et quelques. Le voilà. Pas facilement 500. Il est libre, bien joué. Vous gagnez facilement 500 en 3 minutes, donc est-ce que je conseillerais de faire que ces missions-là? Si bon, vous êtes bon d'argent, je dirais oui. Parce que c'est vraiment des missions rapides. Donc vous perdez pas trop de temps à les réaliser. Mais si vraiment vous... Si c'est vraiment une histoire de mission, évitez la répétitivité. Je dirais plutôt... Non. Je dirais plutôt, vous allez dans Paris, essayez de sauver les gens, vous gagnez... Ça peut vous paraître long, mais globalement, vos actions publiques vous rapporteront beaucoup plus sur le long terme. Tu dois recueillir un maximum de données, mais prends aussi le temps de retrouver l'assassin.
Je sens bien qu'ils ont combiné les deux. J'envoie ces données au labo. Joli travail. Parce que l'action d'autorité publique, je vous rappelle que quand j'ai ma barre de 25, plus c'est 25 ou 30, on a juste gagné 10 000. Ces données-là sont chiffrées. Ce qui est énorme. Et pourtant, le plus souvent, c'est, je sais juste des balades en vie ou. C'est pas. J'ai pas dû me forcer à y faire. Voilà, on était en pleine mission, je m'arrêtais juste 2 minutes pour faire ce qui devait être fait, voilà. Dur de trouver là. Surtout si je continue à faire des aussi mauvais mouvements. Espérons qu'elles contiennent des infos précieuses. Non, c'est pas le personnage qui fait des erreurs, c'est moi. Je vous rassure. Waouh, voilà qui devrait ravir nos chercheurs. Ok, on connaît l'emplacement de notre agent. Putain, j'ai pas mes doubles assassinats là. Agent localisé. Il est libre, bien joué. Dépêche-toi, tu n'as presque plus de temps. Honnêtement, je m'en fiche un peu de l'argent. Un autre assassin te doit la vie. Tu as mérité ta récompense. On les a déjà. Vous voyez, le dossier, on les a déjà tous récupérés, donc on peut retourner. Retour à Helix, c'est une erreur, c'est retour dans la simulation, je pense plutôt. Alors, honnêtement, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de ce type de mission et je sais pas si je vais tous les filmer. En fonction de votre avis sur ces vidéos, vous me direz si vous voulez voir les autres parce que c'est répétitif, quoi. C'est répétitif. Si c'est vous montrer les dossiers après dessus, c'est pas un souci, ça, je peux me récupérer et faire un autre épisode juste pour ça. Parce que voilà, vous avez remarqué, j'ai fait le parcours, je faisais quasiment toujours la même chose, voilà, récupérer les données, sauver les assassins et repartir. Et j'ai fait les deux. J'ai déjà terminé les 2A. Est-ce qu'il y a d'autres failles Helix? En regardant vite fait, j'en vois pas pour l'instant. Prenez un peu les avenues du pouvoir. D'ailleurs, en compétence discrétion, j'ai pas double assassinat. Si? Pourquoi alors je peux pas. J'ai pas encore réussi à en faire un double. Oh, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je vous ai montré qu'est-ce qu'était l'Helix. Bon, c'est. Je vais pas vous mentir, j'ai fait uniquement entraînement, je m'étais arrêté là. Pour une première, je dois dire, c'est globalement simple. Il n'y a pas vraiment de véritable change derrière. Si vous voulez faire comme j'ai dit, si vous voulez faire de l'argent, faites-les à répétition. C'est tout. Moi, je trouve que faire ces missions-là, vous voyez, ça va beaucoup plus rapidement. Je suis déjà à 5 sur 30. D'accord. C'est sûr que vous n'êtes pas récompensé tout de suite par de l'argent. Si vous avez besoin par exemple de 2000 tout de suite, faites le X. Si vous êtes patient ou si vous n'avez pas vraiment besoin d'argent immédiatement et que vous voulez juste en accumuler, faites les événements plus vite.
Je sais que ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est... Je reste quand même sur cet avis-là. C'est juste exigeant, juste plus de temps. Pas plus de temps, entre guillemets. Les ennemis de Nostradamus, on verra ça plus tard aussi, parce que... C'est pas que c'est bon, mais un peu. Surtout que j'ai un secteur... Ah. C'est un grenadier, un grenadier ou un cuirassé, peut-être bien vu. Peut-être, c'est soit un grenadier, soit un cuirassé. C'est pas forcément facile. Normalement, c'est le casque. Pour moi, c'est un casque de cuirassé. Mais je peux me tromper. Et que ce soit un casque de grenadier quand même. Bon, quoi qu'en soit, la vidéo va être un peu plus courte qu'habituellement. Mais on va s'arrêter là. Je vous dis à une prochaine fois d'ici. À portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.